Cette nouvelle formation vient répondre à une demande croissante de la part des étudiants et des entreprises en alliant théorie académique et compétences pratiques directement applicables dans le monde du travail. En effet, l'implantation de la licence professionnelle délocalisée de BBS au sein de l'Université Mary Dzamba est une initiative pionnière qui ouvre de nouveaux horizons aux étudiants de Franceville et plus largement à ceux de toutes les villes du Haut-Ogooué et de l'Ouélolo, rayonnant aussi sur le bassin académique du sud-est du Gabon. À travers cette cérémonie, nous célébrons notre volonté commune de rapprocher l'école des familles grâce à la délocalisation de programmes, tout en formant des cadres aptes à relever les défis contemporains. Nous raffirmons ici les valeurs d'éthique, de persévérance, d'abnégation, d'excellence qui guide notre action. Cette initiative s'inscrit dans la vision des groupes universitaires de placer la formation des jeunes en adéquation avec l'offre d'emploi au cœur de sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise. En outre, cela permettra de répondre à la politique gouvernementale de décentralisation de l'enseignement supérieur. Cette journée marque une étape cruciale, non seulement pour nos deux institutions, mais aussi pour l'avenir de l'enseignement supérieur au Gabon. Elle concrétise en effet une vision ambitieuse, celle d'un enseignement supérieur d'excellence accessible à tous. Ainsi, l'ouverture et le lancement officiel de la rentrée académique 2024-2025 concrétisent la vision ambitieuse non seulement du chef de l'État qui a fait de l'éducation son cheval de bataille, mais également celle des fondateurs des deux institutions universitaires qui prônent un enseignement supérieur d'excellence et accessible à tous.